Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va préparer le terrain pour la plantation d'arbres fruitiers. En effet, dans notre démarche de permaculture, on souhaite planter un maximum de fruitiers et vu que cela prend du temps avant d'être productif, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Le terrain était envahi de ronces, alors on a commencé par tout couper. On a laissé tout sur place pour que cela se composte. Beaucoup d'orties poussent sur la parcelle, ce qui est super car après le fauchage, cela fera de l'engrais vert. On a déjà fait quelques trous test pour situer la nappe phréatique. Alors comme on est en fond de vallée, elle est assez proche, en plus que ce terrain est en pente et il n'est pas bien drainé. On va essayer d'éviter ces endroits ou alors de planter sur but. Ceci dit, on va tirer parti de cette humidité car ça permettra aux arbres de ne jamais manquer d'eau même en période de sécheresse. On a déjà commencé par mettre des basses-tiges au potager, et ici, l'idée pour cette parcelle, c'est d'y développer un verger à haute tige situé près de notre rucher, ce qui favorisera la pollinisation. On va déjà préparer des tuteurs avec des branches récupérées lors de taille ou d'abattage. On taille une extrémité en forme de poivre pour faciliter leur enfoncement. Et donc même si on n'a pas beaucoup de vent ici, il vaut mieux soutenir l'arbre jusqu'à ce qu'il se soit bien enraciné. Une fois le terrain préparé, il faut alors déterminer les emplacements. Comme on va planter des hautes tiges, on gardera une distance de plus ou moins 8 à 10 mètres entre les arbres. Il faut tenir compte de la taille des arbres quand ils auront atteint leur maturité. Il serait alors trop tard pour les déplacer. Comme on a beaucoup d'arbres à planter, on va préparer des trous à l'avance d'un peu moins d'un mètre carré sur une profondeur d'un fer de bêche. Il faut bien séparer la terre de surface de celle qui est plus profonde, on les remettra dans le même ordre. Et voilà, la prochaine étape, ce sera de planter les arbres. On fera une vidéo très prochainement sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt !